Cette illustration a environ 150 ans. Charles Hall, un explorateur de l'Arctique, l'a dessinée à partir d'une histoire que les autochtones lui ont racontée alors qu'il recherchait les membres disparus de l'expédition menée par John Franklin. Mais il avait des doutes. Qui croirait que les ours polaires peuvent utiliser des pierres pour chasser les morses ? La science officielle considérait ces histoires comme de simples mythes, mais il s'est avéré que les Inuits en savaient beaucoup plus sur le monde que les plus éminents scientifiques. Les ours polaires jettent-ils vraiment des pierres aux morses ? Le plus grand prédateur terrestre ne serait pas capable de venir à bout de ses proies de façon ordinaire ? Allez quoi, c'est des morses ! Des saucisses géantes avec des défenses ! Ils doivent pas poser beaucoup de problèmes, si ? Eh bien si, la nature leur a donné non seulement d'énormes défenses et un air endormi en permanence, mais elle leur a également fourni de quoi se protéger. Non, pas les défenses, les morses en ont surtout besoin pour soumettre d'autres morses et grimper sur la glace lorsqu'ils sortent de l'eau. Prenez le temps d'imaginer ça. Afin de ne pas devenir la proie d'un prédateur, ces animaux ont développé une peau incroyablement épaisse et ridée. Autour du cou et des épaules, c'est-à-dire aux endroits les plus vulnérables, son épaisseur atteint 10 cm chez les mâles. Tout ça en plus d'une couche de graisse de 15 cm d'épaisseur. C'est comme si l'évolution leur avait donné un gilet pare-balles qui les protège à la fois du froid et des prédateurs. Bien sûr, les ours polaires ont des dents très pointues et des griffes qui ne le sont pas moins. Mais leur longueur ne dépasse généralement pas 5 cm. Vous voyez où est le problème ? Même si les crocs de l'ours étaient deux fois plus longs et qu'ils croisaient un très jeune morse, la couche de graisse gâcherait quand même la chasse. Sans oublier les os solides du crâne, qu'un ours ne peut pas transpercer comme des os de phoque. Oh, et il y a aussi le poids. En moyenne, un morse pèse deux fois plus qu'un ours polaire. Pas moyen de déplacer un morse ! Comment faire pour les chasser ? Le seul moyen est d'utiliser les outils qu'on a sous la main. Enfin, il n'y en a pas beaucoup dans l'Arctique, donc il y a peu de choix. On n'y trouve presque rien d'autre que de la neige, de la glace et des rochers. Peut-être que les ours ont expérimenté différents outils pour arriver à une conclusion inattendue. Les pierres et la glace fonctionnent vraiment. Il faut juste se mettre en hauteur et bien viser. Contrairement à beaucoup d'autres techniques de chasse, celle-ci n'est pas inscrite dans les gènes de l'ours, elle vient avec l'expérience. L'ours observe son parent qui jette des pierres ou qui laisse simplement tomber quelque chose sur le morse par accident. Steve, si on jetait des pierres pour s'amuser ? Ouais, allez. Oh ! Quelqu'un qui ferait une telle découverte vivrait ce qu'on appelle l'effet Eureka, une intuition soudaine, la compréhension d'un concept impénétrable jusqu'alors. Vous avez probablement entendu l'histoire d'Archimède, qui a découvert que lorsqu'un corps est immergé dans l'eau, il déplace un volume d'eau égal au volume de ce corps. Selon la légende, Archimède aurait réalisé ça dans les bains publics, et le savant aurait été si heureux qu'il aurait couru chez lui en criant « Eureka » sans même s'habiller. Mais voici ce qui nous intéresse vraiment. Les animaux aussi peuvent connaître l'effet Eureka. Par exemple, des chimpanzés qui désespéraient d'atteindre une banane, mais qui avaient finalement trouvé le moyen de le faire, étaient aussi fous de joie qu'Archimède. Alors peut-être que les ours polaires ressentent la même chose. Après tout, ils peuvent apprendre à leurs petits comment chasser, leur révéler leurs techniques, alors pourquoi pas nous emprunter un comportement humain ? De plus, les ours et les humains ont parfois la même attitude vis-à-vis de l'apprentissage. Ils le trouvent sacrément ennuyeux. Par exemple, les ours adultes emmènent la jeune génération à la pêche avec eux, ce qui signifie s'asseoir devant un trou dans la glace. Ils attendent qu'un phoque apparaisse à la surface, et ça prend parfois un très long moment. Si j'étais eux, je préférerais aller jeter des pierres. Fiston, devine ce qu'on va faire aujourd'hui ! S'asseoir et regarder ce trou dans la glace pendant 10 heures d'affilée, encore une fois ? Ouais ! Mais de là à vivre l'effet Eureka, bon sang, rien que pour apprendre à chasser avec des pierres, il faut être très intelligent. Il ne m'a jamais semblé que la nature avait donné aux ours polaires de gros cerveaux. Comment ils ont réussi à améliorer leur intelligence ? Ça peut sembler bizarre, mais leur régime alimentaire a joué un rôle clé. Tous les ours sont omnivores par nature, même si certains d'entre eux préfèrent manger des plantes et d'autres de la viande. Mais c'est le régime omnivore qui élève l'intelligence de l'ours. Lorsque vous mangez constamment le même aliment, par exemple des marmottes, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. C'est une autre histoire quand vous devez choisir. Imaginez que vous faites la queue à un buffet, que vous choisissez ce que vous allez mettre dans votre assiette et que les personnes qui préparent les plats les changent constamment devant vous. Vous ne savez jamais ce qu'il y aura après. Et c'est comme ça chaque année. Les ours doivent donc sans cesse faire des efforts et réfléchir. C'est ainsi qu'ils développent progressivement leur cerveau. En fait, les ours ont déjà obtenu des résultats impressionnants.
le biologiste indépendant Ben Kilham, qui aide les ours noirs américains dans un centre de réhabilitation, pense que ces animaux peuvent se souvenir du passé lointain, estimer la probabilité de certains événements dans le futur, communiquer et sympathiser entre eux. Selon le biologiste, les ours pourraient être encore plus intelligents que les singes. Certaines études confirment que Kilham n'est pas loin de la vérité. On pense que les ours peuvent même compter jusqu'à 12. 10, 11, 12, 12, 12, 12. Mais leur intelligence ne se limite pas à tout ça. La plupart des ours sont des animaux diurnes, mais ils savent que les humains dorment aussi la nuit. Et si les humains dorment, ils ne verront pas que quelqu'un leur vole de la nourriture. De plus, il est beaucoup plus pratique de voler quelque chose dans l'obscurité. Il s'agit d'un comportement conscient et pas d'une adaptation évolutive, comme par exemple dans le cas des hiboux. Les ours savent parfaitement que personne les arrêtera la nuit. Il suffit de pas aller dans les zones éclairées. Parce que là où il y a de la lumière, les humains peuvent voir l'animal, et alors impossible de voler de la nourriture. Je peux tout expliquer. Puisque les ours ont compris comment être plus malins que l'homme, d'autres animaux intelligents peuvent faire encore mieux. Je parle des éléphants. Dans les régions où ils sont vraiment nombreux, les gens doivent protéger les cultures contre leurs attaques. Et pas seulement les cultures. Toute rencontre avec un animal sauvage peut être dangereuse pour l'homme comme pour l'animal lui-même. Mais imaginez à quel point il est difficile d'arrêter quelqu'un qui pèse 6 tonnes quand il veut à tout prix manger votre maïs. Les clôtures ordinaires sont inutiles, et un chien de garde ne s'occupera pas d'un tel voleur. Surtout que les éléphants viennent parfois se nourrir en troupeau. C'est pourquoi les gens se sont mis à utiliser des clôtures électriques. C'est peut-être pas très humain pour les éléphants, qui aiment se faire électrocuter. Mais heureusement, la tension n'est pas très élevée. Juste assez pour effrayer l'animal. Enfin, avant c'était assez. Pendant un certain temps, les éléphants restent à l'écart de la clôture, qui peut les électrocuter. Mais au fil du temps, la curiosité et la faim les poussent à trouver des astuces. Difficile de démolir une telle clôture sans se prendre une décharge. Aussi, les animaux ont dû faire pas mal d'essais. Ils ont découvert que les défenses ne conduisent pas l'électricité, ce qui signifie qu'ils peuvent attraper le câble avec elles, puis soulever, déchirer ou tout simplement arracher la clôture ou la mettre à terre. Bref, les possibilités sont nombreuses. Ce qui compte, c'est que l'éléphant pourra aller là où il veut, aucune clôture ne l'arrêtera. Bien sûr, des gens ont ensuite eu l'idée d'insérer des sortes de fils métalliques dans les défenses pour que les clôtures arrêtent quand même les animaux. Mais écoutez ça, les éléphants utilisent déjà des pierres et des bâtons pour briser la clôture sans être électrocutés. Et c'est que le début. Quand on y pense, il y a quelque chose de bizarre. Utiliser des outils est un trait distinctif des humains. Pourquoi les animaux en ont besoin ? Eh bien, apparemment, les espèces évoluent dans ce sens. Il ne s'agit pas seulement de se faire pousser une fourrure plus longue ou des sabots plus forts. Tout ce qui existe sur cette planète peut s'adapter, et les outils font partie de cette adaptation. La plupart du temps, les nouveaux outils nous aident à obtenir de la nourriture. Vous comprenez, un homme préhistorique sans lance ou autre arme primitive n'aurait aucune chance contre un mammouth. Simplement parce que le mammouth est trop gros, que sa peau est trop épaisse. Et ça vous rappelle pas quelque chose ? En plus, les outils permettent de réduire les risques. Pas besoin de combattre un mammouth si on le bombarde de lances. Et pas besoin d'attaquer un morse si on lui lance un gros bloc de glace sur la tête. Il était une fois nos lointains ancêtres, qui ont d'abord ramassé de simples bâtons pour se faciliter la vie, puis ils sont passés aux pierres, ils ont appris à fabriquer des assiettes en argile, à coudre des vêtements et des sacs, à travailler le fer, ils se sont un peu emballés, et aujourd'hui on peut se faire livrer une pizza à domicile et la manger en regardant une autre vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que c'est si c'est pas l'évolution ? Une évolution causée en partie par des outils. Qui sait ? Aujourd'hui les ours polaires utilisent des rochers et de la glace pour chasser, et peut-être que dans quelques millions d'années, ils créeront aussi leur propre civilisation. Mais peut-être qu'elle existe déjà. You are no king, and I will show you that. A plus.